Environ 3 heures d'horloge, c'est la durée des échanges entre le président Patrice Talon et les 7 confédérations syndicales. D'entrée de jeu, le chef de l'État donne le ton de la séance. C'est une rencontre de cœur, des échanges sincères, dépouillés de toute convenance, a prévenu Patrice Talon. Certains l'ont souhaité. J'ai même échangé avec le ministre du Travail à ce sujet. Une rencontre avec vous depuis que certaines dispositions sont entrées en vigueur et qui étaient de nature à, on peut le penser, compromettre votre existence. Mais depuis, j'ai souhaité vous rencontrer et qu'on échange d'abord sur ces mesures-là, brièvement, qu'on s'explique un peu dessus, et puis qu'on puisse instaurer à partir de maintenant un véritable partenariat parce que nous avons tous la même mission, vous et nous. Et jusque-là, nous n'avons pas pu convenir d'un mode de partenariat de nature à honorer convenablement chacun de nous. Je pense que le moment est arrivé et le gouvernement a vraiment la volonté d'établir avec les représentants syndicaux une véritable atmosphère de collaboration, de partenariat, afin que les problèmes que nous avons en commun, les défis que nous avons à relever, pour améliorer nos conditions de vie, nos conditions de travail, nos conditions d'existence, que nous soyons tous collectivement en mesure d'y faire face. Vous êtes un maillon plus qu'important de la vie sociale dans le pays. Et nous le reconnaissons. C'est bien pour cela que j'ai tenu à ce que cette rencontre ait lieu avant la fin de l'année, pour qu'on puisse convenir que nos frustrations, nos divergences s'éteignent avec l'année qui va se terminer et que pour partir de 2019, nous sommes vraiment dans une nouvelle dynamique. C'est cela le principal objet de la rencontre de ce soir. Faire le bilan du passé et comment nous allons construire notre relation à l'avenir. Et je peux vous dire d'entrée de jeu que vous verrez que les choses se passeront comme il conviendrait que ça se passe. De sorte que nous puissions partager ensemble le mérite de relever les défis qui sont les nôtres. Les représentants des travailleurs nous souhaitent mieux qu'un dialogue franc et sincère. Ils ont loué cette initiative du chef de l'État qui vise à instaurer un climat propice au dialogue social. Le menu, c'était un peu les revendications, mais également et surtout une appréciation globale de la gouvernance du chef de l'État, qui a souhaité que nous puissions nous prononcer sur les différentes réformes qui sont annoncées, les différentes réformes qui sont en cours, et de façon générale, que nous puissions apprécier la touche, qui est sa touche à lui en tant que chef de l'État. Cette mise au point nous a permis donc de pouvoir aborder toutes les questions que nous avions à cœur de discuter avec lui. Ce que je peux retenir de la séance aujourd'hui, c'est que sur les revendications, un certain nombre d'instructions ont été données à des membres du gouvernement pour qu'au plus tard, le 15 janvier, nous puissions avoir des réponses sur des questions aussi importantes que la question du reversement des agents contractuels de l'État. Et nous avons par exemple convenu ensemble avec le gouvernement du report de l'évaluation qui a été annoncée pour l'enseignement secondaire. Le chef d'État a accepté donc que le report se fasse au mois de janvier. Donc les anciens du secondaire ne seront plus évalués au mois de décembre comme précédemment annoncé. Nous avons également parlé, pour ce qui concerne les réformes, du projet H, qui est l'un des projets phares du gouvernement, sur lequel nous sommes complètement restés en marge. Nous ne connaissons pas le contenu, nous ne savons pas quelles sont les différentes séances qui ont été fixées. Nous avons voulu comprendre. Le chef de l'État a accepté donc et a instruit le ministre de la Santé pour que les organisations syndicales soient impliquées et puissent donner leur avis sur un certain nombre de choses qui sont en train de mettre en place pour l'opérationnalisation donc du projet H. Les différentes lois que nous querelons n'ont pas été occultées. La loi sur l'embauche, la loi sur la grève, où nous avons expliqué au chef de l'État que nous ne sommes plus dans la dynamique d'un syndicalisme qui doit être tout le temps en train donc de se battre avec le gouvernement et que nous pouvons établir un partenariat qui permette à la gouvernance d'être apaisée et donc de pouvoir atteindre les résultats qu'il faut. Et donc sur les différentes lois que nous avons demandé au chef de l'État de pouvoir accepter
de revenir sur un certain nombre de dispositions, qui sont des dispositions qui, pour nous, sont porteuses de risques pour les questions de liberté. Le chef de l'État est d'accord sur le principe de revoir un certain nombre de choses, mais estime que nous n'avons pas encore, à l'étape actuelle, des éléments de comparaison, des éléments d'appréciation. Donc, sur le principe, on est d'accord, mais sur notre, de façon formelle, notre revendication donc de pouvoir revenir sur un certain nombre de dispositions, nous ne sommes pas arrivés à nous entendre là-dessus. La question de la charte nationale sur le dialogue social qui a été signée depuis 2016, dès l'avènement du régime du nouveau départ, et nous avons attiré l'attention du chef de l'État sur l'importance de cette charte. Son contenu est un contenu qui peut permettre d'éviter les crises récurrentes que nous traversons tout le temps. Il en a convenu avec nous et il a décidé donc de donner un certain nombre de moyens au Conseil national du dialogue social pour qu'il puisse pleinement jouer sa partition afin d'instaurer le dialogue social qui nous permet d'avoir une gouvernance apaisée. Mais ce qu'on peut retenir de façon concrète, c'est qu'aujourd'hui, si le chef de l'État respecte son engagement, c'est que nous sommes dans une nouvelle dynamique en matière de dialogue social. Et il a annoncé que nous aurons deux rencontres formelles par an pour échanger sur les grandes questions de la nation et essayer donc d'éviter que les malentendus ne s'accumulent. Il est d'accord également qu'il y ait la possibilité de rencontres extraordinaires lorsque le besoin se ferait sentir. La séance avait pour objet principal de réécrire une nouvelle dynamique entre le gouvernement et les organisations syndicales. D'abord que tout le contenu, tout le sens du partenariat soit restitué à nos relations. Nous sommes des partenaires et comme des partenaires ne doivent pas se faire des croquants en jambes, il faut donc que tout ce que nous avons ressenti comme coup pendant que nous étions vraiment en contradiction avec le gouvernement, que ça ne se répète plus. Et je crois que là-dessus, le chef de l'État a promis, il s'est fermement engagé à améliorer les relations avec les organisations syndicales. Mais si dès que le climat est amélioré et que les possibilités de concertation existent, ça veut dire qu'on peut évacuer les problèmes au fur et à mesure, peut-être pas dans la dimension que nous souhaitons, mais on peut les évacuer et essayer vraiment de les élucider. Donc je crois, et fermement pour ceux qui ont préparé la séance, c'est qu'il est évident que si le chef de l'État maintient la sérénité avec laquelle il a échangé avec nous, et que nous échangeons effectivement sur les vrais dossiers du pays, on va éviter moins de tensions et peut-être même qu'il ne viendra l'aider à personne de recourir à l'exercice du droit de grève. Et nous, on y croit parce que la bonne foi doit être présumée et nous devons travailler à ce que le regard qu'il souhaite avoir de nous et le regard que nous souhaitons avoir de lui, que ce regard-là s'instaure de façon aisée, que chacun puisse se sentir à l'aise. On peut dire, sur la base de ces déclarations des syndicats, que 2019 augure d'une année sans tension sociale. Le gouvernement peut donc s'occuper de l'amélioration des conditions de vie des Béninois en toute sérénité.